Hey, salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite section test. Un site EKA, qui s'appelle EKA, m'a contacté et m'a demandé de tester des produits. J'en ai choisi 4. J'en ai choisi 4. Pour certains d'entre eux, il y avait une petite intrigue parce que j'avais hâte quand même de tester et voir vraiment ce que ça pouvait donner. J'ai pris des notes comme à son habitude et je vais tout de suite commencer. Alors, pourquoi? Mais la luminosité là, c'est quoi ça? On dirait que je reviens du Maroc. Qu'est-ce que EKA? HEKA. Ah. C'est un site qui va présenter plusieurs catégories de produits. En passant par la beauté, les cheveux, tout ce qui tourne autour de l'informatique, le rayon photo, audio, vidéo, le sport, les animaux, les produits électroniques. Et encore, j'en oublie parce que c'est quand même un large panel qu'on peut retrouver de catégories sur ce site. Ce site-là travaille en collaboration avec plusieurs marques assez connues, comme Lenovo, comme Xiaomi, OnePlus, Nokia, etc. Des marques reconnues. Donc j'ai choisi du coup 4 articles. J'ai failli à un moment, j'ai hésité parce que je voulais me prendre un drone. Et du coup, je me suis dit, on verra ça pour la prochaine fois. J'ai reçu le colis en 15 jours et je n'ai pas eu de frais de douane. J'ai choisi un micro pour m'aider dans mes vidéos lorsque je filme pour avoir un son de meilleure qualité. Celui-ci se branche soit sur le PC ou sur prise secteur. Donc l'adaptateur n'est pas livré avec, mais tout le monde possède chez soi un petit adaptateur à brancher en USB. Il est de la marque HYSJ. C'est le modèle F15, je crois. Donc c'est un micro qui est sur pied. Nous avons sur le support 3 ports USB. Donc il est hyper simple d'utilisation. Nous avons 3 boutons pour régler le son, gauche et droite, baisser le son ou hausser le son. Vous avez aussi la touche pour rendre le micro muet. Ce que j'aime bien, c'est que le micro possède un bras articulé qui est métallique, orientable sur 360 degrés. Lorsqu'on l'allume, il est bleu. Donc j'ai eu l'occasion déjà de le tester un petit peu. Donc il est plutôt pas mal. Donc j'ai choisi parce que celui-ci apparemment atténue les bruits de fond. Donc j'aimerais bien approfondir davantage, mais comme là c'est les vacances que j'ai mon fils qui est à la maison, je dis pas qu'il fait du bruit, mais voilà, il joue à la console, donc il fait un peu des bruits bizarres. J'attends qu'il soit à l'école pour le tester. Déjà mon premier retour, en le testant 2 fois, c'était assez correct. Ensuite, le deuxième article que j'ai choisi, il s'agit d'une montre connectée, une montre de sport qui offre plusieurs options. C'est une montre qui se connecte à votre portable, vous téléchargez l'application, ensuite vous connectez le Wi-Fi et vous voilà avec des options qui vous seront bien utiles au quotidien. Donc je l'ai reçue dans un boîtier comme ça. Elle existait en plusieurs modèles, il y avait 6 versions de cette montre-là, en fait 6 versions de bracelet. Et 3 versions de cadran. Donc moi je l'ai choisi noir, il y avait rose gold, il y avait silver, et sinon vous allez retrouver en fait bracelet métallique soit noir, soit rose gold, soit silver, ou bien bracelet plastique. Moi j'ai reçu 2 bracelets donc noirs, donc un métallique et un noir. J'ai reçu la montre avec le bracelet démonté, mais c'est hyper simple. Au début je me suis dit mais j'ai pas les outils pour monter le bracelet, mais non, justement, vous avez sur chaque côté du bracelet des petits bitonios ronds. Il suffit de descendre la tige avec l'ongle. Voilà, j'ai reçu un bracelet comme ceci en silicone noir mat, et puis le bracelet métallique qui est réglable. Donc, avec elle, je peux lire les SMS, recevoir les appels et répondre aussi aux appels. Je peux me connecter aux médias sociaux tels que Facebook, Skype, WhatsApp, etc. Lorsque je veux voir l'heure, il faut que je lève le bras en l'air pour que la montre, voilà, elle s'est allumée. Donc, elle est tactile. J'ai juste appuyé sur l'écran.
et pour voir toutes les options qu'il y a. Donc c'est une montre aussi qui peut vous servir de réveil le matin, qui fait également chronomètre. Je vais également pouvoir écouter de la musique que je vais activer via mon portable. C'est aussi une montre sportive avec des caractéristiques comme le calcul de calories, distance parcourue, mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque, elle est podomètre, donc elle va calculer les pas que vous faites tout au long de la journée. Et avec 5 modes de sport, c'est-à-dire le badminton, la marche, la course, la randonnée, le basket. Vraiment complète, on peut changer le cadran, plus classique, plus coloré, donc voilà. Fourni avec son câble de téléchargement, une notice. C'est une montre mixte que l'on peut porter aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Moi, ce que j'aime bien, c'est que plutôt que de sortir mon téléphone de mon sac à main, j'ai juste à appuyer sur le cadran pour répondre aux appels. Hyper pratique. On devient de plus en plus feignant dans cette société. Ensuite, j'ai choisi un recourbe-cils électrique. Il m'intriguait beaucoup parce que je sais que je dois avoir deux recourbe-cils, mais j'ai pas l'habitude. Voilà, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des recourbe-cils. Ça m'arrivait une fois de me coincer la peau de la paupière dans le truc et je vais vous dire que c'était pas très agréable. Donc du coup, lorsque j'ai vu cette petite chose, ce recourbe-cils électrique, je me dis là, faut que je tente. Là, c'est une bonne trouvaille pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le recourbe-cils, ce qui est mon cas. Ça, c'est vraiment génial. Avec ça, aucun risque de se blesser. Il a une petite brosse en silicone. On appuie 2 secondes sur le bouton qui se trouve juste ici. Et on va le laisser chauffer pendant 30 secondes. Donc on dispose de 2 modes de chauffe, donc pour celui-ci c'est plus une température soft et puis vous rappuyez une autre fois, je vais avoir le mode qui est au-dessus de soft, qui va chauffer davantage. J'ai essayé ces 2 modes, j'utilise toujours le vert maintenant. Donc je l'allume, ensuite le temps qu'il chauffe, je vais appliquer mon mascara. Donc une fois la température atteinte, c'est chaud mais c'est pas brûlant, hein, je peux mettre mon doigt. Donc je vais juste positionner la brosse sur mon ras de cils et je vais pousser vers la paupière pendant quelques secondes et ça va me permettre de recourber les cils. Donc ça, je l'utilise tous les matins maintenant et j'adore le concept. Je vais vous faire un test, je vais aller chercher mon miroir et je vais faire qu'un œil. Donc je suis allée me remettre un pansement parce que je me suis coupée il y a 2 jours, mais avec du verre, hein, avec du verre. Et là, à chaque fois que je cogne, quelque part, ça pisse. Je veux pas en coller partout. Alors, du coup, je suis allée chercher mon miroir, mais j'y avais pas fait petit. Et celui-là, il est bien parce qu'il est grossissant. Donc là, juste à faire comme ceci. Et je pousse vers l'arrière. J'attends quelques secondes. Hein. C'est tout simple, c'est tout bête. Hein. Et quand je regarde par rapport à l'autre, on voit que celui-ci est plus recourbé que celui-là. On sent une chaleur sur la brosse, mais ce n'est pas brûlant. Donc il se branche, il est rechargeable. Un câble a été fourni. Je suis contente de l'avoir découvert. Pour les débutants qui ont du mal avec le recourbe-cils mécanique, eh bien ça c'est vraiment génial. Il est de la marque Z-Lime. Il existait aussi en version blanc, noir et rose. Voilà, et puis je vais vous montrer un autre truc très intriguant. Il s'agit de ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un petit appareil qui permet de raffermir, d'amincir, d'atténuer les vergetures et la cellulite. Bon, moi, je l'utilise parce que vous allez me dire, mais pourquoi j'ai commandé ça? Pour raffermir mon ventre.
J'ai eu 4 enfants, donc j'ai un ventre qui est un petit peu détendu et j'ai des vergetures dessus. Donc je me suis dit qu'il pouvait être bien. Donc c'est un appareil de massage à ultrason, anticellulite, vergétures, amincissant, raffermissant. Il est rechargeable, donc j'ai reçu un câble, j'ai reçu même une prise qui n'est pas européenne. C'est pas grave puisque moi j'en ai d'autres européennes, mais ça c'est voilà, c'est facultatif. Vous avez toujours un adaptateur chez vous, celui de votre portable par exemple. Bah, bref. Il fonctionne par vibration avec 68 000 vibrations par seconde ultrasonique, haute fréquence. Il va améliorer le métabolisme cellulaire. Et il va éliminer la graisse sous-cutanée. Ce petit appareil-là va drainer, va brûler les graisses. Comment il fonctionne? On l'allume. Vous avez un écran LCD. Donc vous sélectionnez le menu, celui qui se trouve juste après le bouton de mise en marche. Et vous pouvez choisir l'intensité, la température. Vous voyez avec les LED, vous pouvez choisir le menu. Qui vous convient. Le menu qui vous convient le mieux. Donc il a une fonction de chaleur sur la peau. Comment l'utilise-t-on? Après la douche, il faut appliquer soit une crème soin amincissante, anticellulite ou quoi que ce soit, ou une huile pour le corps. Il ne faut pas l'appliquer à sec comme ça, il faut utiliser un soin avant. Il y aura plus d'efficacité puisque lui va faire pénétrer les produits dans la peau. Il possède 4 modes de massage qui incluent la chaleur, les vibrations. Les programmes sont déjà prédéfinis. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous lancez ce programme-là va durer tant. Par exemple, 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, l'appareil s'arrêtera. Donc, il faut réaliser des mouvements circulaires sur la peau. Donc, moi, je l'ai fait sur mon ventre. Donc, il préconise d'utiliser ce petit appareil pas plus de 3 fois par semaine. Et vous aurez votre petite séance à domicile. Vous avez la petite pochette pour le ranger et vous avez une chiffonnette pour le nettoyer juste après chaque utilisation. Livré avec un chargeur, voilà, et puis il se range. Attends, et je l'ai allumé, c'est pas possible ça. Éteins-toi. Et il se range dans sa petite boîte, voilà. Donc je suis à ma deuxième séance. Donc je n'ai pas de recul, mais je referai une vidéo un peu plus tard, d'ici quelques semaines, d'ici quelques petits mois, pour vous donner mon ressenti, est-ce que c'est vraiment efficace. Donc c'est l'Ultrasound Body Slimming Device. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et puis voilà pour ces 4 petites nouveautés. Donc je suis très contente de vous les avoir partagées. Très très utile. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce par quoi vous êtes tenté dans cette vidéo? Est-ce que c'est le masseur à ultrasons? Est-ce que c'est le recourbe cils électrique? Le micro? Ou est-ce que c'est la montre connectée? J'aimerais bien savoir lequel vous a le plus attiré. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye-bye.